écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour et au sommaire de la matinale de ce dimanche 26 mai, traduire en justice l'entité sioniste pour ses crimes perpétrés contre le peuple palestinien, c'est l'appel lancé par le président de l'Assemblée populaire nationale, président en exercice de l'Union parlementaire, Ara Brahim Bourali, président Alger, la 34e session du comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe. L'Algérie qui prend acte avec satisfaction de l'ordonnance de la Cour internationale de justice concernant Rafah, enjoignant à l'entité sioniste de mettre fin à son agression à Rafah et dans la bande de Gaza. Sur le terrain, bombardement sioniste sur Rafah. Ce matin, plusieurs soldats sionistes tués par ailleurs ou faits prisonniers par la résistance palestinienne. Violents affrontements à Tel Aviv lors de manifestations records anti-gouvernement sioniste. Chez nous, la présidentielle du 7 septembre, au cœur de l'activité partisane ce week-end, le FFS annonce sa participation, le MSP plébiscite son président, le mouvement Albina soutient la candidature du président de la République, le secrétaire général du RND affirme que sa formation politique soutiendra le président de la République. Développement économique avec la ligne ferroviaire Khashla. El Baïda, une infrastructure importante qui sera inaugurée prochainement. Et puis la campagne de la pêche au thon qui commence aujourd'hui. Un reportage de May Alkins dans cette édition. Il y aura également du sport. 27e journée de Ligue 1. Match décisif pour le maintien entre le Moudia d'Oran et le S Ben Aknoun. Le Classico opposera la JS Kabylie au Moudia d'Oran d'Alger. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité marquée par l'ouverture aujourd'hui des travaux du 36e congrès de l'Union interparlementaire arabe au Centre international des conférences, Abdelatif Rahal. La question palestinienne, justement, était au cœur des travaux de la 34e session du comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe ouvert à Alger hier. Explorer tous les mécanismes et voie à même de traduire en justice l'entité sioniste pour ses crimes perpétrés contre le peuple palestinien, notamment dans la bande de Gaza. C'est l'appel lancé par le président de la Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali. Notre réunion coïncide avec des développements extrêmement graves au niveau régional et international qui projettent leurs impacts profonds sur notre région arabe. En tête de ces développements, la situation en Palestine et les terribles crimes de génocide subis par le peuple palestinien frère aux mains de l'occupation sioniste. Ceci représente la continuité du projet colonial qui vise à détruire la région. Notre responsabilité en tant que représentants des peuples arabes dans cet espace parlementaire arabe commun est grand. Notre devoir est de travailler avec dévouement pour renforcer la position et le rôle de notre Union en réponse aux exigences de l'étape actuelle et aux aspirations de nos peuples arabes qui nous ont honorés de leur représentation. La situation à Gaza dans les territoires palestiniens sera au cœur de notre conférence. Je propose la nécessité de formuler des initiatives concrètes et constructives pour renforcer l'action parlementaire arabe commune, en particulier au niveau de l'Union interparlementaire internationale, et d'examiner tous les mécanismes et moyens qui nous permettraient de poursuivre l'occupation sioniste pour ses crimes. Il est temps de redonner à notre nation arabe une présence forte et influente sur la scène internationale. Justement, le rôle éminent de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU. Ils étaient unanimes, les participants à cette session, à l'affirmer Ebtihal Adon. Selon Moussa Kharfi, vice-président de l'Assemblée populaire nationale et représentant de l'Algérie au comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe, la participation à cette session a été massive et l'ordre du jour riche en soulignant que la cause palestinienne avait largement dominé les débats. Nous mettons en avant toutes les initiatives importantes au niveau international en faveur de la cause palestinienne, notamment la reconnaissance de l'État palestinien par 3 pays européens, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. Nous affirmons que les membres du comité exécutif sont unanimes sur le rôle distingué de l'Algérie dans le soutien à la cause palestinienne. L'Algérie a utilisé son expertise et ses capacités en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU au profit de cette cause. L'Algérie considère la cause palestinienne comme sa cause principale, car le peuple algérien a souffert du colonialisme et comprend que la libération de la terre a un coût élevé. Pour sa part, le secrétaire général de l'Union interparlementaire arabe, Faiz Chawapri, il est attendu que la conférence aboutisse à une déclaration finale, forte, exprimant les positions des pays
pays arabes sur la cause centrale qui est la cause palestinienne. Parmi les sujets ayant fait l'objet de longs débats lors de la réunion figure la formation de délégations pour visiter les pays européens et influents afin de discuter de leur position sur la cause palestinienne, laquelle sera soumise à la conférence pour enrichissement. Toutes les décisions résultant de la conférence seront mises en œuvre par la présidence de l'Union, qui contactera les organisations internationales ainsi que les pays amis pour exercer des pressions sur l'entité sioniste afin de mettre fin à son agression contre la bande de Gaza, et demandera au Conseil de sécurité d'appliquer le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour tenir l'entité sioniste responsable de ses manquements à ses obligations internationales. En accueillant ce congrès, l'Algérie réaffirme son engagement envers la coopération interparlementaire arabe et son rôle de facilitateur dans les discussions cruciales pour la région. À propos du dossier palestinien, toujours l'Algérie qui prend acte avec satisfaction de l'ordonnance de la Cour internationale de justice concernant Rafah, enjoignant à l'entité sioniste de mettre fin à son agression à Rafah dans la bande de Gaza. Nabila Hussina. Dans un communiqué rendu public hier, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger précise que cette ordonnance intervient dans le sillage de la décision émise par la même juridiction internationale dans le cadre de l'examen de la plainte de l'Afrique du Sud sur le génocide en cours à Gaza et de la décision du procureur général de la Cour pénale internationale ouvrant la procédure de l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre les principaux auteurs de l'agression israélienne contre Gaza. L'ensemble de ces développements récents convergent pour marquer le début de la fin de l'ère de l'impunité dont l'occupation sioniste a longtemps bénéficié pour faire endurer au peuple palestinien les affres de l'occupation, de la colonisation, de la discrimination et de la négation de droits nationaux inaliénables et imprescriptibles. Par ailleurs, l'Algérie demande instamment au Conseil de sécurité de l'ONU de donner suite à l'ordonnance de la Cour internationale de justice en lui conférant un caractère exécutoire qui mettrait fin aux crimes de toutes sortes que l'occupation israélienne fait subir à la population de Gaza et de Rafah en particulier. En attendant, sur le terrain, l'armée sioniste poursuit son jusqu'au boutisme génocidaire en poursuivant ses bombardements ce dimanche sur Rafah et ailleurs dans la bande de Gaza. Malgré l'ordre de la Cour internationale de justice, la branche armée du Hamas a affirmé par ailleurs hier soir avoir tué, blessé et fait prisonnier des soldats sionistes lors d'une embuscade dans le camp de Jabalia où ils ont été attirés. Les forces sionistes visées se trouvaient dans un tunnel. Tous leurs membres ont été tués, blessés ou fait prisonniers. Les combattants du Hamas se sont emparés de leur matériel militaire avant de faire exploser le tunnel. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole de la branche armée du mouvement, Abu Obeida. Par ailleurs, le Marzen a envoyé pas moins de 4000 soldats pour participer à l'agression sioniste sur la bande de Gaza. C'est ce qu'a révélé l'universitaire et chercheur marocain Mohamed Al-Batiwi, cité par des médias locaux au Maroc. Et depuis sa normalisation avec l'entité sioniste, ne peut rien refuser à son allié. Décryptage avec Michael Barra, professeur à l'université Saint-Louis, campus de Madrid, et spécialiste du Moyen-Orient. Il a été contacté par Karim Hasnaoui. Le Maroc n'est pas vu comme un véritable représentant des aspirations des peuples arabes en général. Non, c'est-à-dire que la cause palestinienne ne ramène pas vraiment les Arabes au Maroc ou à un fort positionnement des Marocains sur cette question-là. Bah, je crois que les Marocains se sont mis dans une situation dans laquelle ils sont plutôt coincés, dans le sens où le fait qu'ils aient rejoint les accords d'Abraham en 2020 et le fait que finalement ils composent de manière officielle maintenant avec Israël, plus le fait que cette composition avec les Israéliens, bien sûr, se double de tractations et d'accords de type économique, voire stratégique. Et dans ce sens-là, si les Israéliens ont des exigences sur le plan politique, on voit bien que le Maroc a supposé qu'il critique les Israéliens pourrait devoir payer le prix de cette posture sur le plan de ses accords et partenariats stratégiques et économiques, non seulement dans sa relation avec Israël, mais de surcroît dans sa relation avec les États-Unis. Nous vous disions en titre, la présidentielle du 7 septembre, au cœur de l'activité partisane ce week-end, la participation à la prochaine consultation tranchée par nombre de formations politiques, c'est le cas pour le FFS qui sera de la course. Un candidat sera connu à l'issue d'un congrès extraordinaire du parti, le premier secrétaire national du FFS, Youssef Aouchich. Le FFS décide de participer à l'élection présidentielle du 7 septembre 2024 en présentant un candidat si les conditions sont réunies. Conformément au texte réglementaire du parti, le candidat du FFS sera élu lors d'un congrès national extraordinaire qui se tiendra dans les plus brefs délais possibles. Cette décision stratégique répond à une triple exigence: préserver l'État national, renforcer les institutions de la République et faire barrage à ceux qui veulent porter atteinte au pays, à son unité, sa souveraineté et sa stabilité dans un contexte mondial et régional
imprévisible et menaçant. Le Conseil national de la Choura du mouvement de la Société pour la paix a proposé la candidature de son président Abdelali Hassani Chrif, que nous vous proposons d'écouter. Je ne peux m'empêcher d'avoir toute la confiance en mes frères du Conseil national de la Choura qui m'ont confié cette mission et cette responsabilité. Ainsi, nous avons assumé et nous continuerons d'assumer cette responsabilité. Cette candidature est importante pour notre mouvement, notre pays et notre nation. Les résultats de cette session extraordinaire du Conseil national de la Choura sont importants car nous n'avons pas pris en compte que les prochaines élections présidentielles, mais également la réalité politique et socio-économique, l'unité nationale, sans oublier le rôle de l'Algérie et de la nation par rapport à la cause palestinienne. Le mouvement Albina, pour sa part, soutient la candidature du président de la République pour un second mandat, son président Abdelkader Benguerina. Le Conseil consultatif national a proposé à la majorité la candidature du frère Abdelmajid Tebboune pour un deuxième mandat. C'est le candidat sur lequel le mouvement Albina mise pour l'unification de l'Algérie avec tous ceux qui partagent la même approche, tels que les partis politiques, syndicats, associations et les personnalités. Et pour conclure cette décision, le mouvement Albina veillera à consolider les efforts pour la création d'un groupement national constitué de divers partis sans aucune exclusion afin de former une base pour la création des institutions républicaines et également investir dans les capacités de ce pays, dans les programmes et les projets de développement. Depuis là, le secrétaire général du RND, Mostafa Yahya, a affirmé que sa formation politique soutiendra le président de la République pour la poursuite du processus de réforme profonde que connaît l'Algérie nouvelle. Nous vous le disions en titre économie-développement, la ligne ferroviaire Khenchla-El-Baïda, une infrastructure importante inscrite au programme complémentaire de développement de la wilaya de Khenchla, décidée par le président de la République. Elle sera inaugurée prochainement. Cette ligne, pour laquelle une enveloppe financière de 50 milliards de dinars a été mobilisée, vise à désenclaver la région. Développons toujours avec la campagne effective de la pêche au thon rouge vivant qui débute ce dimanche. Le quota de l'Algérie est de 2046 tonnes. Reportage Maïel 15. La campagne de pêche au thon rouge revêt une importance cruciale. C'est une source de revenus non négligeable. 27 millions de dollars l'année dernière. Une commission ministérielle a été installée pour superviser l'opération. Ammar Ouchli, sous-directeur de la grande pêche et de la pêche spécialisée au niveau du ministère de la pêche. 34 demandes ont été validées et ont eu un avis favorable. Un quota individuel sera alloué pour chaque navire retenu, conformément à la réglementation. Cette année, on a l'entrée en service de deux nouveaux navires. Chérif Ben Boulaïd, armateur et propriétaire du navire Chérid Mostafa Ben Boulaïd, participe à la campagne. Après la capture, ce thon est transféré dans des cages. Ces mêmes cages sont tractées pour une durée d'un mois, des fois un peu moins. Et une fois le transfert est fait au niveau de la ferme d'engraissement à Malte, il est engraissé pour une période de 3 mois et demi pour ensuite être vendu sur le marché japonais. Il y a eu cette année l'inscription pour la première fois d'une ferme d'engraissement du thon rouge avec une capacité d'entrée de 950 tonnes. Les travaux de réalisation de cette ferme sont actuellement en cours. Son entrée en service est prévue pour la prochaine saison. Cette ferme va nous permettre la création de nouveaux postes d'emploi directs et indirects. Ammar Ouchli. De nouveaux segments d'activité comme le remorquage des cages, l'activité des plongeurs professionnels et la maîtrise de la commercialisation du thon rouge engraissé, dont la valeur à l'exportation est beaucoup plus importante. La tutelle a par ailleurs déployé des observateurs nationaux pour veiller au respect du quota et de la réglementation en vigueur pour assurer le bon déroulement de cette campagne. Et du sport pour terminer avec la poursuite de la 27e journée de Ligue 1 entamée hier. Match décisif pour le maintien entre le Moulia d'Oran et l'ES Ben Aknoun. Le Classico opposera la JS Kabylie au Moulia d'Alger Balassara. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.